recule. À genoux, mets-toi à genoux. Okay. Mets-toi à genoux. Je vais revenir à toi, Ok, vous me gardez à votre niveau. Une opération dans les conditions du réel. Un exercice militaire en terrain libre et au cœur de la ville, baptisé Ardennes 2019 et auquel participent plusieurs unités belges et britanniques. 500 hommes déployés au total et d'importants moyens matériels, comme ce pont flottant motorisé. Il permet de faire franchir des véhicules sur des rivières, etc. Pour pouvoir, lorsque des ponts ont été détruits ou lorsque les véhicules ne peuvent pas passer de l'autre côté, eh bien on va utiliser ce système-là pour pouvoir les faire passer de l'autre côté. Il nous a servi à faire passer de l'autre côté de la Meuse des véhicules blindés en vue de prendre une position ennemie dans l'exercice. Des simulations de combat, bien sûr, mais aussi de déminage ou encore de dépollution de l'eau. Un entraînement en zone urbaine pour appliquer et employer toutes les techniques et les tactiques des sapeurs du 3e régiment du génie. Objectif, mettre toutes les unités en conditions opérationnelles. Ce sont vraiment des conditions réelles. Quand on est déployé en opération extérieure, par exemple quand on est à Bangui, au centre de Bangui, les Banguissois continuent de vivre. Il y a toujours des voitures, il y a toujours des camions, il y a toujours une gare routière. Et bien, quand on se déploie en opération extérieure, on est confronté à ça. Et donc c'est ce qu'on est venu chercher dans Charleville. Un déploiement qui dure toute la semaine, avec samedi place Ducal, une présentation à la population de l'exercice et du matériel pour favoriser les échanges et renforcer encore les liens avec les Carolo-Massériens.